carrément le micro, le téléphone, la télécommande, etc. Je ne filme pas avec le réflexe, là, je filme uniquement avec mon téléphone. Donc je continue sur ma femme au poisson avec coton. Voilà. Donc bah, tout simplement un moment de broderie, parce que là j'ai fait pas mal de tests quand même. Donc le fait d'avoir fait pas mal de tests m'a fait un petit peu oublier mon sujet de prédilection, à savoir en ce moment le point de croix là-dessus, la peinture à l'aiguille, etc. Le sujet quand même, que c'est bien de penser à comment retracer, comment partager ça, mais c'est bien aussi de pratiquer, parce qu'en fait c'est par la pratique qu'on apprend, puis qu'ensuite on se régale tout simplement. Donc là c'est vraiment sympa, c'est le meilleur. Voilà, j'espère qu'on voit bien. J'espère qu'on voit bien. Non, je sais que selon. Il faut juste que je m'habitue. Alors finalement, j'ai choisi cet angle de vue parce que je le trouve naturel. Je le trouve très naturel. Et je vais le garder. Donc c'est au-dessus à gauche. Enfin, un peu au-dessus à gauche. Un peu déporté à gauche pour ne pas gêner le mouvement. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, j'ai calculé de me laisser une marge pour ne pas taper dans le matériel, pour être confortable. Et en même temps, je pense que on voit suffisamment comme ça. Si besoin et je peux zoomer, alors faut zoom, hein. Mais voilà quoi, ça peut être. Je pense que c'est le mieux pour moi et pour mes abonnés. Voilà, parce qu'on voit dans son ensemble. On voit dans son ensemble. Et en même temps, on peut avoir une visée plus rapprochée, on va dire. Par exemple, si j'appuie là, hop, tac, tout de suite, on voit l'avancée. Donc j'espère que ça fait bien la mise au point. Alors, je vais regarder. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je peux visualiser tout de suite si on voit bien ou pas. Et au niveau du son, alors au niveau du son, je serais curieuse de savoir si je rapproche le micro, est-ce que ça fait un changement notable ou pas? Je crois que le son est quand même bien meilleur. Voilà, là, je vais parler directement dans le micro. Donc, est-ce que le son est meilleur? Ben, j'en sais rien. Il doit changer logiquement. Donc, sinon, c'est que soit il est mal branché, soit je ne sais pas m'en servir. Donc voilà. Le repose parce que j'ai pas plusieurs mains. Le truc, c'est que j'ai pas un opérateur qui va faire la prise de son. Là, c'est on se débrouille pour tout faire. On est des hommes et des femmes orchestres, hein, quand on est sur le net, on est sur le web. On fait absolument tout, surtout. Donc moi, j'appelle ça des hommes et des femmes orchestres. On joue de tous les instruments en même temps. Et c'est la partie la plus sympa d'ailleurs. Enfin, personnellement, moi, c'est une des parties les plus sympas parce que j'aime bien ma communauté. C'est très très sympa. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas mal avancé. Je vais vous montrer. Juste, j'arrête ces points-là. Ça va être un peu particulier. Voilà, on va faire un aller-retour là. Et même un petit dernier pour être sûr. Je suis peut-être un peu trop prudente, du coup ça fait ça fait pas beau derrière, mais je me dis que derrière on le verra pas et que moi si mon fil y part, ce serait ballot que mon fil y parte. Donc autant qu'il parte pas. Voilà. Non, mais c'est bien, on est bien installé là au moins. Là, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, cool. Alors, hop, je mets ma petite aiguille sur mon needleminder géant. Et j'ai le petit needleminder qui est accroché. Donc voilà.
Voilà. Alors, on va mettre un peu en arrière parce que là, du coup, c'est trop près. C'est trop loin. Alors, on perd l'aspect sympa de mon pied qui permettait de prendre du dessus directement quand j'en avais envie. Ça, c'est dommage. C'est l'inconvénient de quand c'est fixé que ça bouge plus. Mais rien n'empêche de faire ça. Vous avez entendu, il n'a pas réussi à m'attraper les doigts. Voilà, ça reste branché au micro aussi, etc. Vous voyez le fil pendant, etc. C'est un peu problématique quand même, hein. Ça fait un peu usine à gaz. Mais voilà. Elle a quand même pas mal avancé. Et c'est pas terminé encore. J'ai un peu avancé de ce côté-là aussi. Ici. Voilà.